Tiens, 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 qui voilà, je... Putain, j'ai cru que t'allais te faire découper en deux à un moment. Non. Bonjour, messieurs. Dame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va ou quoi, Parkinson? Ça va, Johnson. Attends, parce que y a un monsieur, je crois, qui a oublié de ranger son véhicule. Ah, oh, putain. Mon véhicule est en fourrière. Tu sors ton véhicule, tu m'emmènes à la fourrière, s'il te plaît, Parkinson. Vous voulez peut-être que je regarde votre plaque d'immatriculation, monsieur? Ah, elle est déjà en fourrière, madame. Tout va bien. Ah, bon, très bien, alors. Vous allez bien sinon? Ça va très bien, et vous? Ça va très très bien. Le tournage de Terminator 3, il s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Je n'étais pas présente, mais j'ai eu un rapport. D'accord, bon bah c'est le principal alors. Parce que vous avez les mêmes lunettes. Vous savez la cyborg là? C'était une T-3000 qui a été envoyée pour tuer Sarah Connor. Vous connaissez Sarah Connor? Oui. Ah, elle est très gentille, Sarah Connor. Oh putain, je monte, j'arrive. Allez, passez une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Allez, mon petit pote. Ouais. On va éviter quand même parce qu'ils étaient derrière. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai l'impression que mon véhicule va s'envoler. Ouais, on est en ville aussi, moi et Gold. Moi, je vais récupérer, je vais taffer un max. Ça va, niveau pognon, t'en es à quoi? T'en es à combien sur ton compte? Oula, c'est très compliqué. Ah ouais, t'as combien là? Bah, je vais avoir 4-5 000. Mais j'ai acheté un pistolet. Ah oui, t'as déjà acheté un pistolet? Bah, ouais, bien, j'avais moyen, ouais. Et tu gagnes combien en tant que directeur? Ah, 180. Quoi? Ouais, j'ai porté plainte, putain. Je suis à 150$. Ah. Ah, mais non, mets-moi au service taxi, ça m'a saoulé. Vas-y, emmène-moi au service taxi direct. Putain, 180$, t'es une belle salope, hein. J'ai toujours su que dans la famille, t'étais la plus belle des salopes. Ah, mais je gagne plus que toi. Me parle plus jusqu'à la fin du voyage. Je t'aimais bien, mon cousin. Ouais, mon copain, mon cousin, je t'aimais bien aussi, mais là, tu m'as donné envie de te décaloter la gueule. Ah, bah, c'est le métier qui veut ça. Ouais, dépose-moi, tu m'as saoulé. Ah, très bien. Vie, là. Je vais aller m'acheter une arme, tiens. Wouah, putain. Allez, merci à toi en tout cas. Allez, bisous. Ouais, je vais me mettre au boulot là, je vais prendre une arme aussi. Bah on va bosser les gars, hein. On va charbon hein, pour se faire de l'argent. Hein. Service taxi disponible. On va charbon. Voilà, hop, une shafter et let's go. Alors, il est temps de se faire délover. On va aller acheter notre arme aussi plus tard. Bonjour ma petite dame, montez. Eh ben, vous avez fait le sport de votre journée. Hein. Vous avez bien ma petite dame? Ouais, moi ça va, ça bosse dur ici. Allô? Oui, bonjour monsieur, vous avez appelé un taxi? Ouais, mais j'ai un de vos collègues qui m'a déjà répondu. Et ben voilà, très bien. Bon, on va passer une bonne soirée alors. Merci, vous aussi. Vous êtes carbonisé, hein. Eh, il va se calmer lui. Attends. Wow. Il répond pas, ce fils de pute. Je vais le virer, hein. Eh, hey, descends. Eh, quand quelqu'un te dit de t'arrêter, tu t'arrêtes. Tu comprends ou pas? À quel moment vous m'avez demandé de m'arrêter, pas trop, hein? À quel moment je t'ai demandé de t'arrêter? T'as vu comment tu roules ou quoi sur la route, là? J'ai perdu la direction, j'ai plus rien, j'ai glissé. T'as perdu la direction, mais moi je vais te la retrouver, la direction, va falloir te calmer, hein. Eh, roule doucement, hein. Bon, suis pas trop. Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Faut savoir s'arrêter à temps aussi, hein. J'ai fait le freinage d'urgence, hein. Vous avez fait le freinage d'urgence, mais attendez, vous avez pas vu mon véhicule ou quoi? Ah bah si, mais j'ai freiné d'urgence, attendez, c'est une surprise qu'il y ait un véhicule en plein milieu de la route. C'est une surprise, mais j'aime bien faire les surprises. Faites attention, s'il vous plaît. Je suis vraiment navré, hein. Excusez-moi. Hein. Viens-le, il est inconscient, le client. Hop, voilà. Putain, c'est pas vrai, hein. Y a rien qui va. Ah là, ouais, je te jure, y a rien qui va. Le client, il est inconscient, donc mort. Non mais attends, mais il a mis un client inconscient sur la route. Non mais, complètement timbré. Attends, lui, je vais le retrouver encore. Hein. Il met des clients inconscients sur la route, il appelle pas les secours ni rien. Bonjour monsieur, vous allez bien? Vous m'entendez monsieur? Bonjour monsieur. Vous allez bien? Vous êtes taxi? Pas du tout monsieur. D'accord, vous avez acheté combien ce petit véhicule là? Je l'ai acheté assez cher monsieur. D'accord, vous pouvez me rappeler le prix s'il vous plaît, je l'ai oublié. Ah ben moi de même monsieur. Ouais, parce que vous l'avez pas acheté. Si, je l'ai loué monsieur. Ah, vous l'avez loué, vous êtes sûr hein? Ouais, bon monsieur, écoutez, vous faites ce que vous voulez ce que vous voulez. C'est juste que ça, c'est plus pour les taxis si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour éviter qu'on confonde. Non mais vous volez ce que on vous me l'a loué comme ça monsieur, je suis désolé. C'est qui vous l'a loué? Un grand ami à moi qui est Ouais, dites-moi. J'aime bien les grands amis moi. Il est très gentil monsieur. Il est très gentil, il s'appelle comment? J'aimerais bien le rencontrer. C'est un monsieur qui travaille au concessionnaire. C'est un monsieur qui travaille au concessionnaire? Dites-moi son nom s'il vous plaît, j'aimerais vraiment bien le rencontrer. Monsieur John Denis. John Denis, vous foutez pas de ma gueule monsieur? Non monsieur. Vous êtes sûr? Je vous promets monsieur. Si je sors un flingue tout de suite et que je te le mets sur la tente, tu te fous encore de ma gueule ou pas? Non. D'accord. Donc tu vas voler d'autres voitures que celle-là, ok? Ça marche chef. Merci. Allez, passe une bonne journée. À vous aussi. Allez, je lui ai mis un coup de pression. Hein. Et la prochaine fois, je vais sortir un flingue et je vais lui coller sur la tente. Hein. On va de suite acheter le flingue. Je vois que ça commence à faire le malin dans cette ville.
C'est quoi SNS? Ok, 15500, pistolet SNS. C'est quoi SNS, s'il vous plaît? Hein, ici radio, vous pouvez m'expliquer c'est quoi SNS? Pistolet à 500 balles de plus? Ici Fuchsia, je crois que c'est l'arme que Yellow a pris. Il est beaucoup plus petit. Mais elle est bien ou... Il est vraiment, vraiment petit. Ok, c'est quoi l'USC, c'est ça ou un classique? Bah, l'avantage du petit, c'est que tu peux vraiment le cacher où tu veux. Hein. Ouais, d'accord. Et je... Eh, écoutez, dès que vous croisez quelqu'un dans une shafter qui est pas moi, vous lui mettez un coup de pression, ok? Ok, ça marche. Ouais, parce que là, je suis à deux doigts de bouillir. Ouais, donc vous me conseillez d'acheter un pistolet classique, alors, c'est ça? Je le pense. Pas le petit, ouais, ok. Parce que Nilo était déçu, hein, de son achat. Bah ouais, mais... il savait pas c'était quoi, il l'a acheté sans savoir. Voilà, et nous, on est déçu Nilo, donc bon, c'est oui, bien sûr, bien sûr, non, mais bien sûr, bien sûr. c'est infini, quoi. Bon, bah, messieurs, je suis heureux de vous dire que je vais m'acheter ma première arme, là, mon premier flingue, ça faisait longtemps, putain. Je vais faire de même dans pas longtemps. Je règle un truc et j'y vais. Poison pour Radio Champville. Bien pris. Ici, boss, je vais acheter mon arme de poing, là. Donc, apparemment, le SNS, c'est pas fou, c'est ça? De quoi, le SNS? Le pistolet SNS à 500$ de plus, apparemment, c'est éclaté. Bah, c'est juste qu'il est plus petit, donc il passe mieux pour le cacher. Ouais, mais ça reste éclaté, donc. C'est la même chose que le premier, que le Beretta. Donc, c'est quoi le mieux à prendre, en vrai? Avec le Beretta, le problème, c'est qu'il te fera plus un holster pour le porter. Alors que le pétoir, tu peux facilement le plaquer en tes poches. Ah, d'accord. Ok, parce qu'apparemment, Yellow était déçu, mais vu qu'il est pas là... Ouais, mais Yellow... C'est une pédale. Ah ouais, un peu. Ouais, ok, je vois. Bon, bah merci, hein. En tout cas, ça m'aide pas. Hein. Je vais quand même... Ouais, un homme avec des cheveux longs... Bon, après, faut pas juger non plus, hein. Ouais, c'est pas celle-là. Tu jugerais très vite, quand même. À très vite. À très vite, une tête, c'est une tête. Alors... Oh là là, pile poil 16 000. Ça chicote, hein. Ok. Heureusement que c'est juste à côté, j'avoue, je me fais braquer. Alors, let's go. Merci, mon bon monsieur. Let's go. Ça y est, messieurs, je suis heureux propriétaire d'une arme de poing. Félicitations. Ouais, je pourrais être un peu plus tranquille parce que tout à l'heure, j'ai failli déjà... J'avais une arme de poing, il est possible qu'une balle parte dans une tête. Hein. J'ai croisé un mec qui s'est foutu de ma gueule, ce bâtard. Hein. Ouais, bah bizarrement, à chaque fois qu'on te parle, j'ai l'impression que quelqu'un se fout de ta gueule. Ah ouais, qui? Bah je sais pas, dès qu'on te parle, j'entends le mec qui rigole. Ouais, ouais, mais la prochaine fois, ça sera une balle dans la tête, on verra s'il rigolera. T'en penses quoi, toi? Ouais, bah ouais, bah c'est une bonne idée, mais je pense que tu fais juste de l'effet. Oh, je suis quelqu'un de drôle? Oh oui. Et je suis charmant ou pas? Oh oui. T'as envie de me prendre un peu? Oh, j'ai la queue luisante. Oh putain! Moi j'ai la queue fluorescente. Et moi j'ai une caméra. Oh là 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 là, on va faire un truc hein, bientôt. Hein. Allô? Oui bonjour monsieur, c'est juste pour vous dire que j'arrive de spa. Ok, ça donc marche. Si un autre taxi vous appelle, je m'en occupe, c'est moi qui prends. Ça marche, ok, ça marche. À très vite. Ouais, allô? Ouais, patron, parce que moi vous arrangez là. Ouais. J'ai une petite demande à vous faire, si je peux passer votre numéro à Maidric. Ouais, allez-y, allez-y. Parfait, merci. Allô? Je suis derrière vous. Ah, vous très bien. Voilà, bah, je vous cherchais, mais j'étais... Il a raccroché ce chien. Bonjour, bonsoir, monsieur. C'est moi que vous appelez le chien? Pardon? C'est moi que vous appelez un chien? Mais bien sûr que non, monsieur. Ah, très bien. vous allez bien? Eh ben, écoutez, oui, très bien, et vous? Eh ben, ça va très très bien aussi. Je vous emmène où, dites-moi? Au dépôt de... vers votre dépôt, s'il vous plaît, hein, chez les bikers. D'accord. Justement, vous en pensez quoi des chiens? Et les Shiba Inu, surtout? Bah écoutez, moi j'en ai pas, personnellement. Ouais. Mais vous savez à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr, mais je suis plus Labrador, moi. Ah, vous êtes plus Labrador? Ouais. Et en termes de gros chiens, Akita Inu, ça vous dit rien? Pelé. Vous savez ce que ça veut dire, Inu ou pas, en japonais? Pelé. Ça veut dire chien, c'est peut-être pour ça que vous m'avez entendu dire ça. Pelé. Allô? Ouais, Johnson, ça va? Oui, ça va, et toi, moi? Ouais, ça va. Tu t'es occupé, là? Là, j'emmène un client, et après, je suis disponible, pourquoi? Tu pourrais venir me chercher à l'agence immobilière. Ok, qu'est-ce que tu fous là-haut? J'ai rencontré un agent, bon, il peut pas visiter les appartements pour l'instant. Mais tu peux les visiter toi-même, hein? Pas tous, non, oui. Enfin, les villas, je sais qu'on peut les visiter, mais appartements, on peut pas. D'accord, ok. En fait, du moment qu'il y a plusieurs appartements louables dans le même appart, tu peux pas. Ok, parce que là, il y a deux petites villas là que j'ai repérées sur la côte. Et ça me plairait là. Ok, bah là je viens de louer un appartement vu que je pouvais pas y louer. 400$ tous les jours. Et de toute façon, si ça me plaît pas, bah, je pourrais changer. Okay. Mais là j'aimerais aller voir justement. D'accord, ok. Du coup, je t'attends à l'agence. Très bien, je dépose un client et j'arrive. À tout de suite. À tout de suite. Excusez-moi, monsieur. Ouais, parce que là en ce moment, il y a les agents immobiliers en ville. Je vous cache pas que ça commence à aller partout.
Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est dangereux ici, monsieur. Hein. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Ah bah, il y a des gens... Ce sont mes amis, les bikers. Ah, ce sont vos amis, d'accord. Bien sûr. Mais les bikers, ça fait bien longtemps que je les ai pas vus, par contre. Vous savez où ils sont ou pas? Ah, je sais qu'il y en a certains qui sont décédés, malheureusement. D'accord, il y en a d'autres qui sont revenus? Bah, écoutez, c'est ce que j'essaie de découvrir, parce qu'on avait des bonnes relations et on échange des choses, donc... Très bien. Voilà, c'est important. Et vous travaillez dans quoi, monsieur? Oh, moi, je suis au chômage, monsieur. D'accord, ok, je comprends bien. Très bien, bah merci, monsieur, en tout cas. Ça se passe, vous avez plus de problème avec les sombras en ce moment? On n'a jamais eu de problème avec eux. C'est ceux qui sont habillés en bleu clair, c'est ça? Ouais, il y a eu des problèmes il y a quelques jours, j'en avais parlé avec votre Emmanuel Racal. Ah, il a eu des problèmes avec eux? C'est quel genre de problème qu'il a eu avec eux? Je sais pas si c'est lui directement, mais il y avait des taxis qui se faisaient poursuivre, un peu rentrer dedans, etc. Ah, ouais, non, là je vous avoue que le Emmanuel, j'ai pas de nouvelles de lui. Il m'avait envoyé un mail pour me dire qu'il quittait la ville quelques jours. Mais là, d'accord, j'ai pas beaucoup de nouvelles. Là, il se fait un peu fantôme, je sais pas ce qui se passe. Non, donc j'ai hâte de lui reparler. On verra tout ce qu'il a à me dire. On avait discuté ensemble et je lui avais dit que mes hommes regarderaient un peu ce qui se passe avec les sombras. D'accord, très bien. Ah, vous avez des hommes, vous êtes qui sans indiscrétion? C'est-à-dire? Bah, vous traînez à plusieurs, vous êtes en groupe alors? Oh, j'ai quelques amis en ville, ouais. D'accord, très bien. Bon bah écoutez, bah quand je reparlerai au pire, vous êtes monsieur... Tavin. Monsieur, comment? Tavin. Très bien, monsieur Levin. Bah c'est noté. Merci à vous en tout cas. Voilà, bonne journée. Je vais chercher moi l'agence immobilière. Moi c'est bien, j'ai déjà négocié un petit pourcentage. Monsieur Tavin je crois. Mais bon, vu que je déforme toujours les prénoms. Eh ben, il y a du monde par ici, putain. Eh ouais. Et je t'appelle pas. Tu veux que je t'emmène où? À mon appart. Excuse-moi, à la star. Et Aladdin, il est parti aussi avec Truel, mais ils sont partis sucer ou quoi, les deux là? Ah, mais je pense qu'ils se baissent leur mère mutuellement là. Oh putain, c'est violent ce que tu dis, bordel. Donc, t'es sûr que c'est à toi? Personne d'autre peut l'avoir? Ouais, c'est à moi. Bah, j'ai pris l'étage le plus haut pour être sûr, de toute façon. D'accord, bon alors vas-y. T'as un parking ou pas? Non. Putain, bah si, apparemment si. Ouais, non, mais y'a pas de garage quoi. Ah bah c'est mais je pense que. Ouais, mais après le gouvernement pourra ouvrir le garage, putain. Oui, bien sûr. Allez, go. Tu te mets là, tu vois là? Ouais. Tu te mets là aussi. Vas-y. Et j'attends. Là-dedans. Tu te mets là où je suis, moi. Ouais. Et tu attends que. J'attends. D'accord, ok, j'attends. Y'a quelqu'un là-dedans? Ouais, je suis là. T'es où? Tu me vois là? Ah non, t'es où? Devant toi. Attends. Ah, il ah, bah, ça, non, ça aide pas. Ouais, bon. Ah, c'est bon, putain, ça va ou quoi? Ouais, ça va, bah, j'ai plus mon chapeau, attends. Mais dommage qu'on puisse pas accéder au balcon, là. Ouais, bah, une fois, j'ai réussi, mais je suis passé à travers. Alors, pourquoi t'as regardé ce... Pourquoi t'as pris cet appart-là, dis-moi tout? Parce que, de base, je cherchais un truc monochrome, mais c'est... Bah, c'est juste parce que je voulais un appart et tout. D'accord. C'est mais... Voilà. Ah, il est après, pas mal, j'aime bien hein. Ce style. Il est pas mal, il est mais pas après, mal. Mais après, c'est que... Attendant, parce que dès qu'il y aura la directrice, j'irai visiter d'autres appartes. Ouais, c'est pas mal, hein. T'as annoncé la nouvelle aux autres? Non, pas encore. Oh, mais... viens dans la douche. Mais toi, torse nu la vite fait, là. Hop là. Voilà, commence. Douche-toi, frotte-toi un peu, là, devant moi, là. On va voir un peu comment ça marche. Bah, c'est pas mal, tout ça. Je pense que je vais aller sur les villas que je t'ai dit. Comme ça, on aura toujours une vue sur potentielle épicerie. Et on va la braquer en boucle, hein, je te dis. Hein. Ok. T'as vu ma cuisine? Ouais, c'est sympa. Hein. C'est dommage que t'aies pas d'amis hein, pour la remplir. Je suis bloqué par mes chaises, là. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Allez. Je suis un peu trop gros. Elle est bien, ta cuisine, mais... C'est con, les chaises, quand même. Attends, tu payes combien, ça, par jour? 400$. Et c'est à quelle heure que ça tombe 22h. Bah attends. T'as eu un petit stop gaming. Je crois que t'as accès à mon coffre en plus. Ouais. Je peux même changer de tenue ici. Ah ouais, mais c'est vrai que t'as un coffre alors avec ton appart. Ok. C'est pas mal. Attends. Je vais déposer un jerrycan d'essence. On va voir si ça va. Ouais, c'est bon. C'est parfait. En plus, je peux même changer de tenue ici. Quand t'organiseras une soirée, tu feras gaffe que personne fout ton coffre. Hein. Ouais. Ok, bah c'est pas mal. T'as un coffre perso et tout. Ça vaut le coup. Hein. 400 balles par jour. Attends, ça, c'est le voisin, ça. Ouais. La fille de pute. Ouvre. Ouvre la porte. Ouvre. Attends, laisse-moi. Hé hey. Ouvre ta putain de porte, fils de pute. On a été nos beaux voisins. Vieille. Ouvre ta porte. Allez, on y va. Allez, viens. Voilà. Bon, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. Bon, j'ai bon bah, je vais louer la villa, je vais voir ouais, la directrice, elle est en ville, hein. Tu veux son numéro, au pire, je l'ai. Comment elle s'appelle? Alana, je crois. Alana Alvarez O'Kelly. Ouais, c'est ça. Ouais, bah j'ai déjà... Donne chicote mes couilles au bord de l'eau, là. Ah, j'ai déjà. Encore un putain de Mexicain, hein. C'est pas possible. Va falloir rehausser le mur, hein. Bah attends, je vais faire visiter à Jameson. Vas-y, on se dit à tout à l'heure. Vas-y, tu veux que j'aille le chercher en taxi ou pas? Comme ça, il verra ce chien. Déjà qu'on attends, a raqué hier. Attends, faut que je l'appelle d'abord. Allo Jameson? Ouais, tu fais quoi là, t'occuper? Je vais m'acheter un petit appartement bien sympatoche. Tu veux venir visiter? Jameson va venir te chercher. T'es en camionnette? Ouais, d'accord, bon bah je t'enverrai à lire alors. Bon allez, à plus. À plus. Allo?
Ça va, Jameson? Ouais, ça va, Johnson? Ouais, ça va, et toi, Jameson? Ouais, nickel, Jameson. Dis-moi. Il y a Mo qui vient de m'appeler, il vient de m'envoyer des coordonnées GPS, là. Il veut ouais, que je visite ton appart. J'ai visité, c'est sympa. Hein. C'est sympa, ok. Ouais, moi j'ai repéré deux villas, ça te tente qu'on soit voisins? On a une vue sur l'épicerie, on pourra la braquer tranquille depuis le balcon. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est les deux villas juste au-dessus de l'épicerie. Tu sais, la première. Comment on les appelait déjà? Sierra. Sierra 1, voilà. Sierra 1, c'est celle du nord, et Sierra 2, celle du sud. Bah regarde, Sierra 1, il y a deux maisons au-dessus, c'est deux belles villas que j'ai déjà visitées. Si tu veux, on les loue, on les réserve. On sera voisins et on sera tranquille. Bah vas-y, bah je vais voir Mo et je vais les visiter, ok? Vas-y. À tout. C'est bon, on commence à se refaire un peu d'argent, ça fait plaisir. Allô? Allô, patron, excusez-moi, là, c'est OK de partir avec mon client? Ouais. Ah. Mais c'est pas votre client, c'était le mien. Il a choisi sa voiture. Ah, ce que je vois, il préfère la voiture du boss, hein, y a pas de souci. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe au service taxi. On va chez les meilleurs seulement. Faites en sorte de devenir un des meilleurs. Je ferai de mon mieux. Ouais, allez, à très vite. Très vite, patron. Allô? Ouais, le Médéric, il veut une augmentation, il vaut le coup ou pas? Médéric? Ouais. Il bosse bien? On a pas mal de rapports, il bosse bien, ouais. Ok, on lui accorde? Ouais, mais juste l'augmentation, pas la prime. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il t'a déjà parlé? Non. Ok. Bon bah ça roule. Vas-y, je m'en occupe. Très bien. Oui, allô, monsieur Gallaghan? Vous allez bien, monsieur Médéric? Oui, tout à fait, et vous? Bah ça va très bien, écoutez. J'ai cru comprendre que vous vouliez une augmentation, c'est ça? C'est bon, oui. Je peux vous accorder une augmentation, mais une prime, ça va pas être possible. Est-ce que ça vous D'accord. va, monsieur Derrick? Ça défendra l'augmentation, mais enfin, on est toujours... On est bah, une augmentation, ça sera par heure, tout simplement. Hein. Oui, d'accord, oui. Bon, c'est toujours ça de prix. Bah, vous montez en poste. Vous devriez être ouais, content. Voilà. Il y en a oui, qui sont augmentés de 20 centimes par mois. Vous, ça sera quand même quelques dollars de plus à chaque fois. Voilà, bon, ça sera c'est très bien. C'est à prendre ou à laisser, monsieur Derrick? Ah, bah, on prend. Très bien. Et ben bah, voilà, bon, bah, je vous augmente, là, j'y vais. D'accord, merci beaucoup. Allez, félicitations encore. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour ma petite Sophie, parle-moi un peu de Médéric, sors-moi son dossier s'il te plaît. Ouais, alors, Médéric chauffeur, et ben voilà. Voilà, il gagnera un petit peu plus et il fera pas chier. Allô? Ouais, Jameson, ça va Jameson? Ouais, ça va et toi Jameson? Ça va très bien Jameson. Dis-moi, je t'appelais, ouais. T'as été visité alors l'appart? Ah là, c'est en cours là. Enfin, j'ai visité l'appart de Mo. Ouais. Et là, je vais visiter les villas là. Voilà, t'oublie pas les deux villas au-dessus, il faut qu'on les réserve. Attends, on verra un petit mail pour réserver ça. Ouais, bah en plus, elle m'a contacté la directrice, donc dès qu'elle est là, je m'en occupe. Dans la soirée d'hier, mais j'étais déjà rentré à l'hôtel. Ouais, je comprends bien. Bon bah, ça roule, à très vite. À tout. Allô? Oui, bonjour madame, vous avez demandé un taxi? Oh punaise, c'est rapide hein. Eh bah, qu'est-ce que vous croyez? Vous voulez toujours un taxi? Oui, s'il vous plaît. Eh ben, j'arrive de spa. Si d'autres taxis risquent de vous appeler, vous dites que c'est moi qui prends en charge. Pas de souci, à de suite. À très vite. Pas le temps pour ces conneries, bien sûr que c'est rapide. Un bon service, c'est un taxi rapide. C'est vraiment un taxi, ça? Bah oui, c'est un taxi, pourquoi? Waouh. Ah non, hein, comme ça. La bonjour, force succès, ça. Messieurs, dames. Mais qu'est-ce qu'il fait, oula, lui, oula, oula, oula. Mais il est complètement malade. Allez, excusez-moi, il est complètement... Monsieur, descendez. Monsieur, s'il vous plaît, on va vous demander de descendre du taxi. En plus, il allume sa clope, mais normal. Mais faites-le descendre, putain, ouais. Il est totalement... Tassez-le, bordel, tassez-le. Il est complètement malade, celui-là. Je vous casse. Complètement fou. Non, mais dans cette ville, ils sont complètement malades ou quoi, putain? Bah, vous pouvez monter, madame. Excusez-moi. C'est sûr, jusqu'au ping. Non, c'est normalement, c'est bon. C'est vraiment un taxi. Ah oui, merci bah, beaucoup. Je sais pas, il voulait à tout prix monter dans ce taxi-là. Yep, ça. Merci, okay. Messieurs, en tout cas, messieurs les agents. Pas de soucis. Bonne soucis. Soirée. Hein. Bon, ça va aller. J'espère que ça vous a pas trop choqué. Hein. C'est les gens de la ville qui sont un petit peu fous, hein, malheureusement. Ah, mais pas de soucis. Non, ça va. Ouais, je ça sais va. Pas. On dirait que vous l'avez piqué sa place. J'avoue que j'étais un peu surprise. Ah bah, je comprends votre surprise, hein. J'étais moi-même surpris quand je l'ai vu arriver, mais je vous avoue que j'étais pas trop prêt à ça quand même. Hein. Ah moi non plus, pas du tout. Encore un client, attendez, bougez pas. Ok, il va me jeter de la voiture lui aussi? Non, c'est bon, j'ai mis sur mon beeper que la voiture était déjà prise. Ah, je suis okay. Vraiment désolé, vous allez bien madame? Vous êtes, madame, comment on appelle déjà? Mehdi? Oui, c'est ça, Turner. Ah oui, c'est ça. Médecin hôpital. Ouais, et vous allez bien, tout se passe bien en ce moment pour vous? Ça va très bien, vous? Vous de côté plutôt pas trop mal. D'accord, il se passe bien, le directeur il gère plutôt bien? Oui, il gère plutôt bien, oui. Et ben tant mieux. Hop, ça c'est va bien. La fourrière. Ah, parfait. En ce moment, je suis un peu fatigué, je vous avoue. Il y a peu de soucis. Merci beaucoup. Alors. Bon, allez, pour le petit inconvénient, je vous la fais moins cher cette facture-là parce que. Il y a peu de soucis, merci. Voilà, ça fera 50 dollars, madame. Alors, du coup. Merci, madame. Merci à vous. Hop, et bon service, du coup. Merci, passez une bonne journée. Bonne soirée. Allez, let's go. Ouais, c'était plutôt cocasse, mais c'était drôle. Allô?
Ça va, Jameson? Ouais, je suis en train de visiter la villa, là. Putain, c'est grand, hein. T'as vu, tu prends la première, je prends la deuxième. Celle avec le parquet en bois. Et toi, tu prends celle avec le balcon normal. Ah bah là, moi, je suis... Alors, attends, il y a des espèces de cascades dans les escaliers, là, gros. Attends. Ouais, il y a un bureau en bas où t'auras ton casier et tout. Ouais, voilà. Là, je suis dans la maison où... Il y a un balcon, ouais. Il y a un beau balcon, hein. Ouais. Bah, j'aime bien. On sera voisins et on aura la vue sur Syrah. Mal, ça. Je vais envoyer directement un SMS à la patronne... Ouais. Bah, prends la première, je prends celle juste à côté avec le balcon en bois, ok? Ça roule, je pense que, on va louer et puis on achètera dès qu'on pourra. Ah bah là, ouais. Demande le prix à louer d'ailleurs. Ouais, je. Ouais, parce que si quelqu'un d'autre a la villa, on va devoir lui mettre un coup de pression pour qu'il abandonne. Ouais, ou on fera une coloc. Il y aura aucune coloc, hein. On va lui mettre un pistolet sur la joue et. Mais il y aura son cadavre dans le coffre, dans la cave, mais. Ouais, voilà. T'as bien compris le truc. Donc toi, tu veux celle où il y a du. Parqué dans la cuisine, c'est ça? Moi je veux le deuxième, celui à droite. Quand t'es en face des deux, je veux celui de d'accord. Droite. D'accord, ok, bah c'est là où j'étais, j'ai visité les visité l'autre. Ok. Voilà. Vas-y, je vais visiter et je contacte la directrice. Ah, c'est pas monsieur Borg qu'on a là? Un tour au comico. Ah, monsieur. Vous allez bien, monsieur? Michael Hagan. Très bien, et vous? Bah vas-y, Jameson, je te dis à plus. Vas-y, à tout à l'heure. Bah ça va bien, tu veux que je te mène quelque part? Oh, bah j'allais aller à pied à la fourrière, mais. Bah vas-y, si vous m'emmenez. Tu bosses toujours au service taxi en fait, t'es repris. Oui, bien sûr, oui. Monsieur Mou m'a engagé. Bah oui, là j'ai juste pris 2 jours de repos parce que j'étais un peu malade. Il est mignon, oui. Ah, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, une petite bronchite. Ah, bronchite aiguë ou ça va, juste une bronchite? Non, petite, pas très grave. Bon, bah essayez de vous en remettre tranquillement, hein. Ouais, ça va. Pas on va de faire avec. Ouais, non, mais attendez, vous allez à la fourrière à pied, putain. Oui. J'ai mon véhicule à la fourrière. Taxi, bordel. Bah. Je sais pas, je fais un petit peu de marche. Ouais, bah là, c'est quand même 1,5 km de marche, hein. C'est pas ouais, rien. Ouais, mais c'est rien, 1 km. Bon, bah, ça va, si c'est pour vous, c'est rien, ça va, alors. Et je vous y emmène, allez, c'est pour moi, la course. Ah, vous savez, quand on a été dans l'armée, on a fait des kilomètres, hein. Ah, vous avez été dans l'armée? Ouais, pendant 5 ans. Bah, c'est très long que vous. Type d'orgue. Combien je vous dois? Rien du tout. Allez. Bonne soirée, alors. Merci. Bonne soirée. Mais qui on a là? Quand c'est mon anniversaire, ça me rend heureux, hein. Tout le sait, il le sait, c'est comme ça. Mais bonjour, y a pas messieurs, de dames, vous allez bien? Bonjour, monsieur McGallaghan, je vous fais la bise. Mouah. Mouah. Comment ça va? Ça vous va allez très bien? Bien, et vous? Mon anniversaire aujourd'hui, vous savez. Eh, joyeux anniversaire alors! Eh oui, merci beaucoup. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on tue quelqu'un ce soir pour fêter ça? Oui, on tue quelqu'un et puis je pensais à faire un viol au collectif. Eh ben, on s'en occupera. Bonjour madame, super. Vous faites quoi ce soir? Ça va, vous voulez venir à une fête? Bah, on a une belle fête à organiser. On organise. C'est une réunion Tupperware, ça vous intéresse ou pas? Ah, alors pas du tout. Vous êtes on va bien s'amuser. Ah oui, je suis sûr. Il y aura oui. Plein de beaux garçons. Bon, bah, on prendra un autre collègue, hein, c'est pas grave. Hein. On va merci éviter. Qui a de l'azur pour les sandwichs. Ah, on rigole, madame. Ah, on rigole. Je sais bien, madame. Bien. On va juste tuer quelqu'un. On va juste tuer quelqu'un, il n'y aura pas de viol. Bah, je vais juste porter plainte vis-à-vis de ce que vous venez de dire, alors. Mais c'est une blague c'est aussi. Rigole, oh là là. On rigole. On va juste faire pas de une soirée arrosée. Ouais, bah après, les soirées arrosées, vous pouvez les faire sans souci tant qu'il n'y a pas de problème. Bon, ça se passe bien au commissariat, sinon. Ça se passe très bien. Et vous, ça se passe à la raffinerie et au service taxi? Ah, mais moi, je vais démissionner et je vais reprendre mon poste de taxi, je pense. Ah bon? Ah, bah, qu'est-ce qui vous arrive? Je viens de l'apprendre, là. Oui, bah, ah moi bon, aussi. Bah. Parce que c'est la merde. Être raffineur, ça pue. Déjà, tu pues le pétrole toute la journée. Et puis, je suis pas assez en contact. Vous savez, moi, j'aime le contact avec les gens. Ah, et lorsque j'étais taxi, oui. J'aimais bien. Je discutais avec les gens, tout ça. Donc, d'ailleurs, monsieur McGallaghan, y a moyen de m'embaucher en taxi? Allez, passez une bonne soirée. Joyeux anniversaire encore. Ah, merci, monsieur Vito. Ça me ferait un beau cadeau, vous savez. Non, ben bah vous savez quoi, ouais, bien sûr, il y a moyen, mais va falloir que j'en parle tout de même au conducteur. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a sûr. Une organisation derrière. Mais oui, vous voyez, taxi, c'est pas si mal que ça, je vous l'avais dit que ça vous plairait. Oui, moi ça me manque. Je vous le dis clairement, ça me manque. Il y a des boulots, vous savez, il y a des boulots ingrats dans la vie. Être flic, hein, être dans la raffinerie, tout ça. Et il y a les bons boulots. Être chauffeur de taxi, par exemple, vous voyez ce oui, que je veux dire? Oui, chauffeur de taxi. Surtout que je suis un pilote en norme. Ah, en or, je sais pas, mais pilote, c'est déjà pas mal. Mais vous savez, monsieur McGallaghan, tous les clients que j'ai eus me disaient, monsieur Vito, c'est notre chauffeur préféré. D'accord. Tous ils m'aimaient. Si. Ah, je comprends bien sûr. Et je vous aime bien aussi, voyons. Gino, il arrive. D'accord. Ah le donne. Non, papa, il est toujours en séminaire en Sicile. Ah, la vache, un long séminaire. Mais oui, c'est un séminaire de jeux vidéo bizarre, là. Ah, putain, en Sicile. Oui, ça s'appelle les PDW. Je sais pas trop ce que c'est exactement.
Ouais, je sais pas, mais ça a l'air de bien puer la merde, ça, non? Oui, non, ça a pas l'air ouf, hein. Ouais, je comprends bien, je comprends bien. Donc il y a mieux, quoi, je pense. Ah, vous connaissez, vous? Vous connaissez? Ah, oui, je connais, oui. Ah, dis donc. Eh ben, il cache des petits trucs, celle-ci, hein. Ah, vous êtes sûr de pas vouloir venir à ma soirée, ce soir? Bah, ça dépend, elle est à partir de quelle heure? Si je suis en service ou non? Et je ne sais pas, je sais même pas s'il y a une soirée organisée. Mais j'espère que j'aurai une soirée organisée, sinon, je te jure, ça va chier. Je vais appeler Ashley, d'ailleurs. Je demanderai au pirate Gino et je verrai bien. D'ailleurs, comment il va depuis... Mais tu vois, tu t'intéresses à Gino. Je le sais, moi. Tu me dis que tu as un copain et je te crois pas. Je m'inquiète surtout de son état, puisque je suis le numéro d'urgence qu'il a donné à l'infirmière, donc... Mais c'est qui ton copain? Parce qu'on devait tuer quelqu'un, justement. Non, mais alors... Oui, mais elle veut pas donner le nom. S'il vous plaît, je reste quand même un agent de la SPD. Bien sûr, non, mais attendez, tout ça... Non, mais le tuer de rire, le tuer de rire. Le tuer de rire, évidemment, une blague. Non, mais de rire, tu connais. Buongiorno. Tu es habillé en hispanique, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, j'avoue, il est en mexicain, celui-là, maintenant. Si, je fais toutes les langues. Tu vas, tu vas vite me changer, là. Si, oui, je vais voir la police. C'est mon anniversaire, tu me souhaites bon anniversaire. Ah oui, c'est vrai, bon anniversaire. Tu me donnes 1000 dollars. Ah, je n'ai pas 1000 dollars, désolé. 500 dollars. Moi, j'ai zéro. Monsieur Tino, si je peux me permettre, vos hommes de main, va falloir les recadrer un peu. Oui, oui, pourquoi? Vous avez eu des problèmes avec eux? Bah non, mais regardez sa façon de s'habiller, c'est une pour vous, putain. Oui, oui, non, va te rhabiller, là. Tu me fais honte. Y'a rien d'italien, y'a rien qui va là-dedans. Oui, oui, mais je l'aurais déjà dit. Ah, parce que là, c'est une Gestapo, ça craint un peu, là. Bon, après, peut-être qu'il était en train de chercher quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas. bien sûr, on ne sait pas. Hein. On cherchait pour le cache-cache, évidemment. Pour le cache-cache. Qui est organisé tous les soirs en ville. D'accord. Bon, sinon... Madame, vous voulez jouer à cache-cache avec nous? J'ai une petite question, madame l'agent. En service, je ne suis pas sûr que ce soit fort possible. Je vous écoute, monsieur. J'ai une petite question. Madame l'agent. Oui, je vous écoute. Voilà, je vois que vous avez une arme de défense jaune, tout ça, et je me suis dit, est-ce que je pourrais avoir aussi une arme de défense jaune? Vous savez, parce que nous, à la raffinerie, je vous explique, il y a des gens qui passent et qui repassent et... vous voyez ce que j'avais dit. C'est impressionnant, monsieur Magan. Pas mal, pas mal. Ce mytho, s'il te plaît. Ah putain. Excusez-moi, donc vous disiez... Non, mais y a pas de soucis. Ah, je fais du culturisme de temps en temps. Par rapport à l'arme, je pense qu'il faudrait plutôt se teigner au niveau du lieutenant, mais je pense que même pour le taser, il vous faudra le pépé. Mais toi, faut pas me tourner le dos comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive, enfin, monsieur McGallaghan? C'est vous me tournez toujours le dos, là. Ah oui. Et vous savez que moi, quand on me tourne le dos, il peut se passer des trucs, hein. Mais non, ne dites pas ça. Est-ce que vous voulez que j'appelle mon lieutenant pour qu'il vous renseigne à ce propos? Savoir s'il peut me vendre une arme, oui. Attendez. Attends. 14 pour 22. Parce que je préfère ça que les armes mortelles, tu vois ce que je veux dire. Oui, j'ai monsieur Vito qui est devant le commissariat qui voudrait avoir des renseignements vis-à-vis des armes à Anvil. Dites-moi, monsieur McGallaghan, je me suis dit une chose, c'est mon anniversaire, tout ça, on s'aime bien, on est amis. Je me suis dit que vous pourriez peut-être m'offrir une petite enveloppe. Une enveloppe? Oui, une enveloppe. Une enveloppe? Avec du liquide dedans. Du liquide? C'est-à-dire une enveloppe dans l'eau, par exemple? Une Tiens, enveloppe. Tu veux du liquide? Allez, et c'est pour moi, c'est pas vraiment parce que c'est ton anniversaire, hein? Hein? Je me suis dit... Voilà. Ah bah non, je peux pas. Tu ne peux pas me donner une petite bouteille d'eau? Ils me disent que toutes tes poches sont remplies, hein? Oui, c'est normal. On m'a donné beaucoup de liquide. D'accord, je comprends bien. Très bien. Mon lieutenant finit un dossier de PPA et il est à vous. Il Madame, j'ai une comment, petite question à vous poser vite fait avant votre lieutenant. Je vous écoute. Imaginons que vous marchiez là-bas, tu vois, histoire de faire une petite patrouille, un petit truc, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et là, vous faites tomber, malencontreusement, votre petit truc jaune, là. Oui. Malencontreusement, effectivement. Est-ce que vous pouvez le ramasser pour vous le ramener plus tard, bien sûr? Ah, négatif. C'est pour vous le ramener. Imaginez-vous qu'un Mexicain, par exemple, il y a des problèmes avec eux en ville. Un Mexicain, parce qu'on sait bien que des Mexicains, monsieur McGallaghan, sont des voleurs. Hein. Ah. On veut pas faire de raccourcis, mais... Pas de raccourcis, pas de raccourcis. Hein. On sait tous vous savez, que c'est... Vous savez, on est au courant de ce qui se passe en ville, donc... Ah, il se passe quoi, dites-nous? Bon, je suis au courant pour certains Mexicains, mais je donnerai aucune information. Ah bon? Alors, je disais ça en plus pour déconner. C'est quoi cette histoire? Dites-moi. Sans donner de nom. Je ne donne aucune information. Messieurs, je suis désolé. Madame. D'accord. Madame. Bah, on va dire que vous n'avez donné. 500 balles, vous nous dites. Je suis désolé, mais l'argent ne m'intéresse pas. Je monte pas à 800. Bonjour, Vous voyez avec le lieutenant. Alors, qui c'est qui voulait des infos? Oui, je voulais des infos. Voilà, monsieur. J'ai été à Munition et Munition m'a expliqué qu'il n'avait pas ce format d'arme, le petit truc jaune que vous avez. Et je me suis dit, moi, plutôt que d'avoir une arme létale, ça serait beaucoup mieux d'avoir une petite arme
style Toys R Us qui envoie un peu de courant, quoi. J'aime être dans le jus. C'est pas vraiment Toys R Us, hein. Peu importe. Je me suis dit, est-ce que je peux vous acheter une arme? Un petit taser. Il faudra demander au gouvernement qu'il mette ça en place, des nouveaux stocks de tasers, mais pour l'instant c'est pas disponible. Est-ce que vous pouvez me prêter le vôtre peut-être? Non, ça va aller. $1,000 Ah, désolé, je prends pas de sous. Monsieur, vous avez du létal sur vous, mon lieutenant? Ah oui, forcément. D'accord. Et vous avez du létal autre qu'un petit poui-poui? Moi j'en ai un en armurerie, oui. Ah, en armurerie. Est-ce que vous pouvez aller le chercher? Dans les mains, on est bien d'accord. Ah bah oui. Voilà, donc là sur vous, vous avez un petit taser là et un petit poui-poui. Ouais, Beretta. Beretta, quoi. Beretta, calibre combien? 9 mm parabellum? C'est ça. Oui, je connais, c'est italien, je connais bien. Monsieur le lieutenant, j'ai cru comprendre que des Mexicains volaient des choses. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, parce que votre agent nous a un peu briefé. Ah oui. Et nous, on a peur. Je n'ai rien dit. Si, madame, je dénonce. Vous avez dit et nous, on a peur. Si, on a peur. Donc, en tant que civil, on aimerait connaître la vérité au sujet des Mexicains. Oui, c'est le premier amendement. On a le droit de savoir. Le droit de savoir, madame. Dites-nous tout, s'il vous plaît. Dites-moi, parce que moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Madame nous a expliqué qu'en ville, elle était au courant que certains Mexicains causaient des problèmes. Je suis au courant de certains Mexicains, mais je n'ai pas dit s'ils causaient problème ou non. Ah, si, bah si. Ah, si. Bah si. Madame, si je puis me permettre, vous prenez mes couilles pour des cacahuètes, là. Hein. Ça me plaît pas beaucoup, bordel. Hein. J'aime bien l'expression. Merci. Tu pourras la reprendre. Donc, madame, il se passe quoi au sujet des Mexicains? Dites-nous, on doit se méfier de qui? Méfiez-vous de tout le monde. Tout le monde peut être dangereux. Compris, mais c'est qui les gens dangereux? Les Mexicains. Les Mexicains. Vous savez, c'est... entre nous, madame. Nous, regardez, le lieutenant, il est armé. Il est dangereux. Écoutez, madame, essayez pas de vous rattraper. Nous, les bouffeurs de faritas, on aime pas ça, d'accord? Donc, dites-nous de qui on doit se méfier. Et puis, je n'ai pas de nom. Vous savez, vous voyez ma casquette, je suis que cadette. Ah, pourtant, vous n'avez pas un Mexicain au taxi que j'ai croisé la dernière fois? Ah, et lui, il est dangereux, dites-moi. Je sais pas, mais vous dites que vous aimez pas les Mexicains. Ah bon, il y a un Mexicain au taxi? Je sais pas si c'est un Mexicain, mais il a un accent, quoi. Je leur ai proposé un service de sécurité à ces messieurs, d'ailleurs. Voilà. Et ils m'ont pas répondu. Je serais intéressé de savoir s'ils sont intéressés par la sécurité. Dites-moi, la police, est-ce que vous êtes intéressé par la sécurité? Toujours, c'est notre travail. Ça va aller, on se sécurise nous-mêmes. Je propose pour $4,000 par semaine. Ouais, bien sûr. Vous embauchez Des gars, vous, non aussi? Oui, vous nous embauchez on surveille le commissariat. Mais il y a beaucoup de monde dans un commissariat, vous savez. Il n'y a pas besoin de surveiller le commissariat, je vous assure. D'accord. Vous proposez ça, mais vous avez une carte d'entreprise pour ce genre de sécurité? Bien sûr, on a un contrat. D'accord, très bien. Il faudra qu'on regarde ça, alors. C'est le fameux contrat de confiance, non? C'est le fameux contrat de confiance. Je le connais. J'espère que c'est légal, alors, tout ça. Non, mais tout est légal. On a un service de sécurité. Ah, ils ont un service après-vente d'ailleurs impeccable. Ah oui. Dites-moi en plus. Ah ben bien sûr. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes avec quelqu'un et qu'un de nos hommes n'était pas là, on offre 2 semaines bonus et gratuites en sécurité. Waouh. Non, oui, mais ça va aller, on se sécurise nous-mêmes. Ben. Du coup, c'est mon anniversaire, lieutenant. Donc je me suis dit que vous allez me souhaiter un bon anniversaire. Ouais, bah. Bonjour monsieur, vous avez demandé un taxi? Ouais, ça serait pour aller à l'hôpital, s'il vous plaît. Allez, montez.